Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue une autre fois encore sur Chanel Paulin. Depuis le fait de ça, rendez-vous en palote que émission mon éditorial. Jeudi, c'est mardi 7 décembre 2021. Ça fait exactement 6 mois depuis un groupe nègre et qui est dans politique là, qui est dans société civile là, oui, qui est dans secteur des affaires là, yo planifié assassinat président Jovenel Moïse. Information pour te pour une émission jeudi hein yo pas fin bon yo pas fin correct mais faut qu'on connait ça qui a passé dans la République et surtout dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. Actuellement là je viens sur Gary Aurélien ligon ensemble de mandat simayen dedans pays pendant Ariel Henry j'étais confortablement malgré non la cité genèg cap défendre Jovenel Moïse cap mandé justice pour Jovenel Moïse qui prêt pour bay sa pour bay de l'eau pour bay toute bagaille dans corps pour yo dou yo vle justice pour Jovenel Moïse. Et bien j'ai un succès Gary Aurélien là li lagué invitation derrière yo pour yo venir répondre question dans cabinet d'instruction. Ça c'est yon. Gagne tout un gros bourgeois dedans pays hein, que j'ai instruction Gary Aurélien pas rater tout. Il pas rater monsieur ça, il gagne mandat d'amener d'elle. Monsieur ça, il gagne interdiction de départ d'elle parce que la marron la justice. Et bien toute information ça on va le connaître et en pile l'autre bagaille encore qui concernait dossier Jovenel Moïse. Étant donné insécurité en il pas chômé, il toujours gagne gang qui a problème dedans pays hein, là. Si l'appli, Iso, Chrysla, yo prend Matisse en otage. Ah oui, bilan, tête chargée. En pile moun tombe, en pile dégâts matériels. Donc, c'est quantité d'informations sa yo, nous pral gen pou nous débattre jeudi en émission. Et nous pral comprendre pi bien ce qui a passé dans le dossier Jovenel Moïse, 6 mois après. Hey, aucun problème, bon? Bagay la petit. Rete la parole. Zers of Moringa pour tes solutions. 15 outils, c'est pour mal pour l'an même. Ça pourra le permettre de rallonger bien. Balle longueur vle, épaisseur vle, pour moun vle. Dans 90 jours seulement, solution non mais pardon yam. Et ou même qu'a fait revenir. Ah, madame n'a pas vlo nan kaila. Kout ki lot fait pou pou. Ou fait bec à terre? Eh bien, pas inquiète, solution là. Gebon, yon traitement 100% naturel pendant 90 jours, tout bec a été fini, zafo réglé, nan bon ti mamie. Tout garçon ka utilisé entre 15 à 75 ans. Ou pas besoin peur. Produit 100% naturel, yon testé et approuvé. Relé nan 514-886-97-76 ou bien nan 37-55-46-06. Ou bien tout, passez sur website lan www.zestofmoringa.com. Suspend plein, Zest of Moringa, c'est solution. Youn nan pi gwo krim transnasyonal ki fèt nan Karaib lan depi 10 dernyèr anè sa yo, se asasina prezidan Jovenel Moïse. Ou pral konprann nan ap pale de krim transnasyonal, son krim kote ke gen plizyèr peyi ki patisipe la dan, gen plizyèr rezortisan lot peyi ki patisipe la dan, swa ki ekzekute, swa ki komplis, etc. Ebyen, lè nou pran sitwasyon 18 mersyonèr kolombyen sa yo, ki soti la kay yo, yo paye yo, pou yo vin rentre en Haïti, évaluer terrain, contrôler terrain, employer stratégie yo, faire mise en place, tout ça, objectif c'est qui ça li, assassiner président Jovenel, yon président élu démocratiquement, pour des intérêts économiques, pour des intérêts politiques, groupe nèg sa yo, en dedans pays. On va poser cette question aujourd'hui hein, par rapport avec l'assassinat Jovenel Moïse. Combien de monde, combien groupe monde qui est impliqué? Et si on cherche un monde qui est impliqué dans le dossier Jovenel Moïse hein, et on dirait que toute la République là-dedans. Toute la République censée là-dedans parce que monde ça qui a une responsabilité politique. Monde ça qui a une responsabilité légale dans le pays. Hein. Monde ça qui a collaboré avec Jovenel Moïse. Nous pensons que vous n'êtes pas au courant.
Nous pensons qu'il n'y a pas de feedback. Nous pensons que l'information n'y a pas de réveil. Pour une raison ou pour une autre, tout le monde fait silence. Il a quitté le courant passé. Donc, 5 mois après, qui côté nous y est? Qui côté l'injusticier? Qui côté juge d'instruction Gary Aurélien y est avec le dossier? Au total, il y a 47 personnes qui sont en pénitentiaire. Parmi eux, il y a 18 Colombiens, 18 mercenaires. Gagnent 2 haïtiens américains, James Solange, Joseph Vincent. Gagnent des policiers haïtiens qui te fait partie de USP, qui te fait partie de USGPN, qui te fait partie de différentes unités en dedans la police. Yo joine connexité, yo joine lien yo gagnent avec mercenaires, lien yo gagnent avec James Solange, lien yo gagnent avec Joseph Vincent, lien yo gagnent avec des acteurs politiques, des acteurs économiques dans le pays qui ont même planifié l'assassinat de Jovenel Moïse, yo te gen tan met la patou, yo te gen tan arrêté au pénitencier. Au total 47 moun. Dans 47 moun ça jusqu'à date en 5 mois juge d'instruction Gary Aurélien tande 32 moun. Yo fait audition 32 moun. Côté audition ça amené juge Gary Aurélien jodi an. Qui ouverture qui gagne, qui l'autre piste qui gagne, comment dossier a orienté actuellement là. Nous tous te connaissons dans le rapport d'enquête de CPJ, hein? Ça a vint tout un scandale de leur pays, en côté que, gen implication, gen non actuel Premier ministre de facto Ariel Henry qui sorti comme yon nan moun qui participe nan fait complot, qui participe nan monte plan, nan monte stratégie pour assassiner Jovenel Moïse pour yon prendre pouvoir. Il en a gardé pouvoir là actuellement, son pouvoir criminel, son pouvoir gang, opposition gang, pouvoir gang, donc c'est affaire à régler. Yon investi Jovenel Moïse, yon mette le dehors, yon prend place là. Jodi an la, ou gen juge d'instruction Gary Aurélien kap mené en enquête, kap su yon dossier, kap fon travail. Et de combattant, ça faut nous dire, son travail qui est difficile en pile, parce que l'on face avec tout acteur politique, ça yo, qui yon même, qui concourt, qui yon même, yon intérêt pour que vérité en pas jamais prenne la route, pour que la vérité pas jamais jaillit, lumière pas jamais fait sous dossier, donc il y a moyen de pression à fait. Et je dis à la loi, même opposition politique, ça, li fait alliance avec pouvoir, faut poser toutes questions dans qui intérêt. Donc, juge d'instruction Gary Aurélien, il n'est pas en mesure jusqu'à date pour tendre le Premier ministre Ariel Henry. Cependant, il y a un ensemble d'invitations que le fait, que le voyait. Il voit une invitation avec Claude Joseph, ancien Premier ministre, au moment de l'assassinat du président Jovenel Moïse et Claude Joseph qui était Premier ministre. Il voit une invitation avec l'ancien ministre de Justice, Rockefeller Vincent. Il voit une invitation by ancien directeur général de la police Léon Charles pour yo vinn répondre question. C'est important. Ou même qui ka pense le pas important, ou même qui ka dit c'est persécution politique, ou même qui ka dit c'est âme et c'est instrumentalisé à instrumentaliser la justice pour persécuter et Jovenel Moïse bon tout doux ça. Non, li extrêmement important pour juge d'instruction Gary Aurélien pour le temps de tout le monde qui était dans l'entourage Jovenel Moïse au moment côté Negyo yo assassiné Jovenel Moïse. Pour qui ça? À l'époque, Claude Joseph qui était ministre, il était à la fois ministre des Affaires étrangères et Claude Joseph, il était également premier ministre par intérim. Donc Claude Joseph, c'est premier monde qui concerné avec situation. C'est lui-même qui a ensemble de décisions qui t'apprend et dans ça qui vient pour avec arrestation mercenaire, dans ça qui vient pour et avec décision PNH doit prendre avec CSPN qui t'a organisé pour connaître comment yo pral orienter enquête là, comment yo pral orienter pissu etc. Claude Joseph c'était premier monde. Et c'est ça qui fait nous ouais, le noticias Caracol journal colombien ça, il t'a font quantité attaque derrière Claude Joseph, li dou Claude Joseph impliqué directement dans l'assassinat Jovenel Moïse, li dou Claude Joseph te rencontré avec colombien yo. Moi même personnellement, qui ça me t'ai attendre moi. Dans dimension Claude Joseph te dans fonction te occupé hein. Donc c'est des accusations qui extrêmement graves et surtout nous dossier assassinat en président. Donc
Nous t'attendons que Claude Joseph l'ait attaqué directement nos six escaracoles devant la justice pour soit diffamation, pour lui dire qui côté le joint information ça yo, comment le faire pour relayer information ça yo, qui gagne pour avec en présomption de culpabilité que le tagué sous dol alors que on enquête en cours. Donc nous même en Haïti nous pas culture ça yo, moun met dit ça yo vle sous nous pas chercher vérité hein, nous pas faire jaillir lumière, nous pas attaquer en justice comme si ça moun nan di hein, li pas garder nous bien c'est vérité n'a pas le jan ni hein. Non pas gen bagay comme ça. Donc Claude Joseph lui même pour ensemble de décisions que te prend jusqu'à date qui quitte en gouamer dans mitan population et qui diviser opinion publique là. Donc par exemple, après assassinat Jovenel Moïse, il demande une intervention militaire. Donc il y a des gens qui ont dit que Claude Joseph comme un faux patriote, comme un faux nationaliste, parce que on pas qu'il y a un pays. Et Jovenel Moïse est mort dans une situation qui est très sceptique. Une situation côté que on essaie de questionner pour qui est-ce qui t'a livré Jovenel, qui est-ce qui t'a bail laisser passer ça pour venir assassiner Jovenel. Nous longer doit nous sur ambassade américaine, nous longer doit nous sur corps groupe, nous longer doit nous sur binu etc. Donc comment, avec qui courage, avec qui figure pour demander pays ça pour venir faire une intervention militaire en Haïti. Ça c'est premier bagage. Et c'est une dans première action Claude Joseph fait dans moment assassinat président Jovenel Moïse qui pas gain pardonnable. On pas gain pays où ou pas qu'on a une situation côté que président mouri gon paquet doute sou moun ki participe, sou moun ki ouvri porte, sou moun ki ba accès et pou pral mande même moun sa encore gen doute sou yo pou yo vinn voye militaire en dedans pays yo. Ça c'est yon. Mais ce qui est sûr jodi an la, tout monsieur sa ou ki te gen des postes importants que ou te occupé au moment assassinat Jovenel Moïse, faut que la justice tande yo. C'est pas que yo coupable. Faut que la justice tende, faut qu'on juge déterminé ça yo gagne comme et comme témoignage je pral bay ça yo pral raconter juge instruction Gary Aurélien comment yo même yo comprendre ça passé en qui idée yo gagne de li qui information yo te gagné au moment assassinat Jovenel Moïse. Tout ça extrêmement important pour déroulement enquête là, pour déroulement dossier. Là nous prenons exemple et juge et pas juge non, là nous prenons exemple ministre ancien ministre justice Rockefeller Vincent lui c'est ministre de la justice à l'époque. Li même tout li c'est un membre CSPN. Li même encore tout li gagne de très bonnes relations avec ça qui gagne pour ministère de l'intérieur, li gagne de très bonnes relations avec ça qui gagne pour service de renseignement puisque la justice, la police, ministère intérieur, yo travaille de concert pour yo chercher information, pour yo regarder comment yo ka gérer sûreté intérieure de l'État. Malgré que je dis, on a parlé de renseignement en Haïti, c'est l'argent qui l'a pu décaisser, c'est l'argent qui l'a pu dépenser, mais en termes de renseignement, zéro balle. Kounye ya, le juge d'instruction Gary Aurélien, dans ce moment-là, pral commence à tendre ni Claude Joseph, pral commence à tendre ni Rockefeller Vincent, pral commence à tendre ni Léon Charles, faut que monsieur soit en mesure pour bailler d'autres pistes. Faut qu'il y ait ouverture qui fait. Faut qu'il y ait ouverture qui fait. Parce que nous avons une situation qui est extrêmement perplexe. Là. L'homme du perplexe, bah, il est difficile, il est compliqué. Jovenel Moïse mourit dans une situation côté que bah, il est son poisson casé dans le bouillon, il est entré dans l'autre. Qui est à terre là? Qui est sous scène politique? Le nègre qui fait politique qui pral dit que vous pas connaître un complot pour assassiner Jovenel Moïse. Et c'est une des raisons qui fait jodi là. Au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a un scandale. Gonzin qui a bouilli en bas avec DG, directeur général du ministère intérieur. Là, on prend le cas de Amos Zéphirin. Amos Zéphirin, ou un contact direct avec l'immigration. Service immigration et immigration. Donc, n'importe qui rentre en Haïti, n'importe qui sort en Haïti, nous connaissons. Retenez-nous dans un groupe colombien. Débarquer en dedans pays alors que les services de renseignement première stratégie qui t'a supposé mettre en place un groupe colombien entrant en dedans pays, qui ça a vienne faire, qui est-ce qui relé, qui est-ce qui sollicite service, pour qui est-ce qui vient travailler en dedans pays? C'est ça qui est extrêmement important. Et information qui a circulé fait comprendre que mercenaires yo étaient déjà là,
Yo te déjà là dans une situation côté que c'est eux même qui tape bataille avec gang dans Thomasin. Donc dans même conflit terrien qui t'ai gagné avec groupe Toto et le monsieur ça yo tape bataille pour gang pour terre dans Thomasin. Donc moun sa yo yo t'es là. C'est eux même qui t'es venu, t'as venu péter balle avec vol les mercenaires bandits sa yo. C'est eux même qui t'es là. Donc si monsieur Colombien sa yo t'es là avant, yo te la, yo te geta commencé bataille avec gang. Yo te geta commencé bataille dans question et pour protéger tête Toto Bolet etc. Donc moun sa yo qui fait partie et de gros bourgeois dans les Thomasin, yo te gen contrôle gang sa yo. Yo te gen contrôle mercenaires sa yo qui te rentré en Haïti. Yo te sollicité service mercenaires sa yo en Haïti. Donc yo même tout, yo supposé répondre question juge instruction Gary Aurélien. Pour qui ça ces mercenaires sa yo? Pour qui ça non pays côté que nous avons la police qui pas aussi performant et puis nous prenons un groupe nèg qui gen zam qui bien armé et d'ailleurs zam ça au côté yo sorti zam ça au côté yo rentré pour yo vini mettre à disposition mercenaires ça pour yo péter balle comme si pays a Haïti son savon n'importe monde qui rentré vienne faire ça ou veut gens veut. Donc moi m'attend que j'ai instruction Gary Aurélien. Li prend information ça extrêmement à cœur parce que fort monsieur ça monsieur grand nèg ça en les ça qui a payé mercenaires qui a payé et moun nèg exam qui a sorti tout partout en train de dans pays à venir protéger intérêt yo et puis après ces mêmes nèg ça ou attendre qui a participer dans faire complot pour tuer président dans faire complot pour assassiner président dans faire complot pour javirer gouvernement dans faire complot pour bailler coup d'état li pas possible li pas possible. Kounye a sakrivi. Juge instruction Gary Aurélien li te invite Zéphirin pour le tandel. Parce que gen cohérence dans sa ki gen pouwa avec information yote bay sou date rentrée colombien en Haïti. Donc pas gen cohérence. Ça, et ministère intérieur bali comme information, le juge instruction li même la mené enquête, li gade pour louer dans bureau immigration. C'est pas même bagay yo. Bay yo pas cohérent. Même, je n'ap gade là comme si pays en tout non savant. Ou rentre, ou vin fon zak illégal, ou gen moun ki la nan institution, ou gen moun ki la nan boîte ki concerne yo, ki ap efase trace. C'est saleté pour Colombien. Yo rentre nan pays, mais ou gen moun ki la ki fait partie de complot, ki fait partie de système nan, ki ap efase trace yo pa dèyè. Koun ya lòj instruction fin tande et Zéphirin en première fois et puis il trouvait gain cohérence qu'on y a faut que Zéphirin retourne pour venir répondre question parce que juge en lui-même il détecte côté gain faillou li wè côté Zéphirin bal quelques informations et lui-même le cherche information li wè bagay yo pas match yo pas cohérent pour Zéphirin venir faire te ka venir non gain nèg là qui sou qui a terre qui gain gros moyen impressionnant faire sous juge instruction Gary Aurélien. Gary Aurélien nous est qui rete là dans le dossier. Moi, j'ai l'impression que c'est que le Kembe. Il pas voulu faire lâche. Il n'a pas voulu faire lâche si Kembe que. Comme on va le comprendre, il y a un ensemble de formations que vous avez rapporté à CPJ sur ce qui est pour vous avec quantité d'appel et yo relevé entre mercenaires, entre 18 Colombiens, entre deux Haïtiens américains, James Sola et Joseph Vincent, et également. En exemple, le fameux Ariel Henry avec Badjo Félix, ensemble de conversations, ensemble, dans relevé appel téléphonique, yon gon quantité appel sortant, appel rentrant, appel manqué, yon relevé. Mais kounye a, le juge d'instruction Gary Aurélien, li sollicité à la Digicel, li mandé Digicel, li adresse en requête dans Digicel, by PDG Digicel là, pour le bali, relevé téléphonique Jovenel Moïse. Relevé téléphonique Félix Badjo, relevé téléphonique James Solage, relevé téléphonique Joseph Vincent, relevé téléphonique différents autres monde qui gagne non comme exécutant John Joel Joseph, différents autres monde Samir Dal etc. Fait Giselle de Bailly non. Comment on va le comprendre refus ça? Refus systématique qui gagne par bon côté PDG Giselle pour le bail. La justice relevé téléphonique moun sa yo qui sa kap cacher qui sa gen pour cacher jodi an la. Donc c'est comme si ou non pays tout ça qui pour aider
système judiciaire là, appareil judiciaire là, avancé avec enquête sur Jovenel Moïse, il y a des gens qui ont barré. Qui est-ce que nous avons? Je dis là, nous ne pouvons pas rentrer dans la logique, c'est seulement qui a l'argent qui a empêché, qui a barré, qui a mis des pions à droite à gauche. Non. Bagala aller au-delà. Jean nous tendez son crime transnational. Il y a des gens qui sont extrêmement influents sous scène internationale, y a même qui a travaillé coûte que coûte la journée que la nuit pour empêcher que vérité en prenne la rue. Et vérité selon moi Jovenel Moïse, nous mettons sûr que a toujours gagné des boucs émissaires, a toujours gagné des mounes à la fin instruction dossier, y a déféré pour en juger. Mais vraiment tête pensante là, vraiment mounes qui paye l'argent, qui chita planifier la mort Jovenel Moïse, nous pas jamais joindre. Nous pas jamais joindre pour qui ça, parce que haïtiens nous même jodi comme peuple nous pas gain dimension ça pour n'accepter que assassinat Jovenel Moïse son assassinat qui planifié en Haïti, son assassinat qui commandité en Haïti, mais il y a des monde qui replacé dans l'international qui fait partie là-dedans. Bon me dire non bagaille qui c'est. N'a pas par exemple on nèg qui gain l'argent dedans pays nous tout connaît qui gain l'argent. Donc par exemple si nous t'apprend Reginald Boulos. Nous t'apprend Reginald Boulos. Est-ce que si Reginald Boulos quitte Haïti, il est allé aux États-Unis, il identifie des groupes qui sont hostiles avec Joe Biden, il a dit qu'il va payer Mounsayo pour faire un attentat, un petit attentat, voyez quelques jeux sous cortège Joe Biden, etc. Nous pensons FBI, nous pensons département d'État, il n'y a pas de enquête pour remonter avec Reginald Boulos qui paye Moun, etc. Et puis pour marrer le temps pour crabe parce que y a dit l'intenté li intenté avec la vie de Joe Biden, li voyer al tuer Joe Biden, li voyer al attaquer contre Joe Biden parce que américain li prend la vie président au sérieux, américain li prend bien-être président au sérieux, li respecte pays, la fait tout ça le connaît pour chercher la vérité. Nous-mêmes comme pays nous en sont savants nier. Donc je dis même à l'échelle internationale, même moun sa ou qui fait partie de la communauté internationale, qui yo même sensible pour citoyen la kayo, qui sensible pour pouvoir, qui sensible pour non yo, je dis et comme si Jovenel Moïse mouri, yo prend comme un simple citoyen qui mouri. Comme un simple moun, on groupe nèg rentré yo tué et puis c'est fini. C'est fini. Dimension qui gagne tout bon dans assassinat Jovenel Moïse. C'est pas la communauté internationale, nous prenons le prendre. C'est nous-mêmes comme haïtiens qui devons prendre. Qui devons garder ça passé, j'en le passé, et demander, faire pression pour nous gagner information, nous devons gagner, de manière à ce que nous centrer. Parce que qui s'arrive, nous ne pouvons pas tuer le système. Nous n'avons pas le système. Le système n'a rien à aller, il arrive même dans ce qui est pour avec les États-Unis, la France, grand pays, ça, qui a influence, qui a main sur ce qui a passé en Haïti. Lorsque par exemple, ou prend ça n'était rien comme opposition politique. Ou prend Yuri La Tortue, André Michel, Nel Cassio. Nèg sa yo pas tout système là yo. Nèg sa yo qui t'est blandi, yo fait silence kounya tout monde a pé bouche. Tout monde a pé dans yo. Mais qui t'est dit yo pousser bourg, mettez chaleur derrière Jovenel Moïse. Yo fait li. Et tout problème ça Jovenel Moïse t'est gagné de son vivant, notre dernier 4 mois avant yo assassiné là. Faut nous comprendre, même bousculade ça, même façon à bousculer Jovenel Moïse pour te retirer ce pouvoir, l'été gagné mes communautés internationales dans d'elle. Puisqu'à un certain moment, Jovenel Moïse même il prend recul par rapport avec CPHFK, il prend recul par rapport avec et puissance américaine. Non, malgré que il était toujours dicté lui, mais ne sa ki gen pouwe avec diplomatie, li choisi avec qui est-ce qui a chita parler, li choisi avec qui est-ce qui a négocié. Ça, Américain, pas d'abjan mal de bon oeil. Des séries de ennemis jurés pour États-Unis, pour au moins gen vision, pour au moins penser en foi, pour qu'al chita parler à Nexa, ou qu'al chita parler avec Erdogan en Turquie, ou qu'al parler, ou qu'al gen inspiration pour mettre ambassade ou bien consulat russe en Haïti. Ou pas si yon tap gado kon sa, pas d'abjan gado kon sa. Yo tapé Jovenel et Jovenel mouri, il mouri pour col pendant que tout le monde te connaît ça que t'as pral passé. Et je dis en moun qui tire avantage de l'amour Jovenel Moïse, nous wè yo. Moun qui gen a gagné de l'amour Jovenel Moïse, nous wè yo. Yo sous pouvoir là. Yo a met moun, yo a retiré moun, yo a coincé moun, yo a meté moun. C'est moun ça yo. Donc on pral di kounye qui est-ce qui gen, qui est-ce qui plus gen intérêt dans l'amour Jovenel Moïse?
que moun sa ou que SDP, Ariel Henry, PHTK. Et gon bagay pou comprendre. Gon bagay pou comprendre actuellement là. L'autre par exemple, ou pral dit tout et Martin Moïse il gagne aspiration pour le vin et peut-être et prochaine présidente d'Haïti etc. parce que li besoin à l'élection, le besoin à continuer sa maril t'a fait comme travail etc. Vraie forme de justice nous kabal Jovenel Moïse là c'est met ton barrière, c'est met ton barrière campé pour n'empêcher nèg sa yo qui t'a joui qui t'a tiré, qui t'a bien viré dans contrat indéterminé, qui t'a bien viré dans contrat courant 10 millions, dans contrat téléphone, dans contrat route Alpha etc. Jovenel Moïse t'est coupé, Jovenel Moïse t'est campé contrat, nèg t'est fâché, nèg t'a voyé pied et on regarder Jovenel Moïse, c'est moi après qui s'acrivé, c'est l'été posé sous caille sous bien Vobio ou jeune juge exhumé qui levé yo. Ou je nèg sa yo. L'autre par exemple. On prend par exemple avocat général Berto Dorsi. Kote w'ap cherche l. W'ap cherche l kote jwenn ni kounye. Ou jwenn ni nan pouvoir. Il est actuel ministre de la justice. Donc, nous nous en situation côté que c'est terrain nèg yo t'a préparé. Yo fin tuer Jovenel Moïse, yo préparé terrain. Ça fait garde ou même sou fait partie de population pas comprendre. Ça fait garde ou pas chercher information pour comprendre ça qui a passé là. C'est terrain yo préparé pour yo venir retourner mettre monsieur en place yo retourner mettre en position yo. Donc l'autre de gain et des soi-disant rumeurs qui circulent que très bientôt et Dimitri Vob va retourner là en Haïti, c'est pas faux. Nous pas besoin connait la venir mais ça qui certain, ça qui vrai c'est que la venir pour reprendre sa tête pour lui. Que ce soit contrat Jovenel Moïse te coupé, que ce soit et c'est les qui levait sous bien yo que ce soit l'autre bagaille yo pral intenter en dedans pays pour yo retourner faire santé économique là tout le monde a profité, tout le monde a profité et jodi an la nan faiblesse qui gagne en dedans pays là c'est sûr que nous pral fait carré joindre politicien qui pral dou yo pral défendre Jovenel Moïse yo pral défendre contre Jovenel Moïse yo pral dou yo pral rallier avec mouvement Jovenelisan en façon pour yo vinn Berno pour yon vin passe tente nan figou ou même malheur avant sou kwe yo. Le nou pou par exemple Laurent Lamothe jodi an qui vle fè population haïtienne nan comprenne li son Jovenelis rouge, la bataille pour Jovenel Moïse une justice. Jovenel Moïse prend quoi avec M. PHT Kassaro parce que Jovenel Moïse son novice dans politique. Li pat comprenne rien nan politique. C'est chercher au théâtre chez Jovenel Moïse parce que fok yote jenon nèg dans Nord-Ouest, fok yote jenon nèg qui gagne de bonnes relations avec terre, on moun qui consacre en bas terre, on moun qui au moins gagne des connaissances nan sous-sol, yo nan richesse, etc. Yo choisi Jovenel Moïse. Mais au-delà de choix Jovenel Moïse, là. Yo nèg pa gen aucun intérêt pour Jovenel Moïse tirer sous pouvoir sinon que ouvri route là pour Jovenel Moïse mettre pion pour dans gouvernement et puis leur besoin prend pouvoir pour prendre pouvoir en nous garder PHTK avant Jovenel Moïse avant assassiner Jovenel Moïse qui sort qui ça nous PHTK fait PHTK produit Ariel Henry. Ariel Henry c'est un pion du PHTK, c'est un pion des martellistes. Donc Ariel Henry a fait travail yo mettel pour le faire, c'est aussi simple. Nous pensons aujourd'hui, malgré Jovenel Moïse avant de mourir, il t'a demandé et consensus avec l'opposition politique. Là, nous pensons que j'aime un nèg qui sorti en dedans opposition politique. Là, t'as j'aime Camille Jovenel Moïse avec qui est-ce? Avec groupe Matélien, jamais. Jamais de la vie. Faut que t'aies un pion PHTK, faut que t'aies un pion Matéli. Le Jovenel Moïse, le au fin planifié, au fin bien coordonné assassinat Jovenel Moïse, puis au t'a toujours prendre pouvoir, puis au t'a gagné monopole pouvoir, puis au t'a décider ça y a fait. Maintenant, on a rentré dans la logique côté que Jovenel Moïse a fini assassiné. Nèg sa yo ki te dehors pouvoir, qui c'est SDP, qui constitue opposition politique, là maintenant, yo en dedans pouvoir. L'autre par exemple, jodi an, ou gagne face avec groupe PHTK, face avec SDP, ou gagne les Jovenelistes. Et parmi Jovenelistes, yo ki est sou gen la dan, ou gagne Renald Luberus, ou gagne Stanley Lucan, ou gagne Laurent Lamothe, ou gagne Martin Moïse, ou gagne toujours, ou gagne un gros paquet. Donc, yo même yo constitué les Jovenelistes. Jodi an la, piège qui gagne,
dans face à face PHTK Jovenel Moïse, c'est que tout le monde qui pas fait partie de PHTK, qui pas fait partie de SDP, Jovenel Moïse a prallié avec. Jovenel Moïse a prend mettez en base yo. Mais danger qui gen la dan. Danger qui gen la dan. C'est que dans même clan Jovenel Moïse yo, gen paquet moun qui influent. Gen paquet moun qui c'est tête de pont, qui c'est chef de file. Donc qui est vraiment qui pral servir leader? Qui est-ce qui pral servir et tête de pont? Qui est-ce qui pral servir canal pour faire communication en passé? Parce que nous tout pas ca leader, nous tout pas ca chef, nous tout pas ca influent. Et pral gon bataille qui pral éclater en dans même groupe Jovenel Moïse, yo pral fini par diviser en ticlan 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 très bientôt. Parce que l'on prend Laurent Lamotte. Laurent Lamotte lui-même par rapport avec Michel Joseph Martelly, c'était deux bons amis qui étaient unis avec et clan Clinton non pour empêcher le développement pays. Ça nous clair sur lui. Yo gargoté l'argent pétro-caribéen, l'argent qui a servi pour développement pays, yo gargoté avec et garantie que Clinton ba yo peut-être que yo pa jamais prend code, garantie que et groupe Clinton nan ba yo que yo a prêté à l'abri etc. Et puis voilà jodi an ou prend et Laurent Lamotte qui finalement divisé avec Martelly pour même question l'argent pétro-caribéen bizarre parce que a tort ou a raison malgré cité non Michel Joseph Martelly comme monde qui dit la vie des fonds pétro-caribéen. Michel Martelly pas ton ordonnateur, li pas ton ordonnateur public, li pas ton comptable public. Donc si gen des caissements qui pou fait, ça c'est premier ministre. Si gen des caissements qui fait, c'est ministre finance etc. Donc ka toujours gon l'ordre qui bail Martelly ka toujours passer l'ordre, mais faut que nous réalisons. Faut que nous réalisons véritable moun jodi an la qui gargote, véritable moun qui gen étiquette gargote sous lui, c'est Laurent Lamotte. Donc ça vient qui ton gros mer dans champ Martelly Lamotte là et puis jodi nous gen ça nous gen là comme résultat et dernier coup du qui pral mener Jovenel Moïse en bataille c'est le fait que Jovenel Moïse prend responsabilité, il prend tiers responsabilité pour le bail Laurent Lamotte des charges. Laurent Lamotte prend des charges et des charges ça qui ça Laurent Lamotte pral venir utiliser pour le faire pour venir paraître en face Martelly. Donc clan PHT capable jamais admettre ça pour lui. Son trahison, de considérer le comme une trahison et de punir en tant que tel. Donc Laurent Lamotte jodi an qui constitue lui-même comme opposant par rapport avec groupe PHTK, li en face PHTK, li en face Martelly, mais c'est pas une bataille pour peuple. C'est pas une bataille nationaliste vrai, c'est pas une bataille de patriotes vrai. Son bataille côté que c'est intérêt de groupe monde face à face, il y a bataille pour trahison, il y a bataille pour l'argent mal séparé etc. Ou même peuple là dehors. Ou dehors combat, ou dehors bataille là. Ou dehors revendication nexayo parce que pas yo pas dans intérêt, mais attendez, yo dou et yo tuer Jovenel Moïse pour vision politique li. Yo tué Jovenel Moïse pour vie pour bataille li t'ap mené contre l'oligarchie. Yo tout connaît pour qui ça tuer Jovenel Moïse. Yo tout connaît plan assassinat Jovenel Moïse. Yo tout gen l'amo Jovenel Moïse sous conscience. Silencio, action yo, inaction yo, yo tout participer là-dedans. Et m'a prodi encore pas gon nèg qui a té là ka fè politique. Pas qu'on nèg qui a été là, qui n'a fait nèg qui a fait politique, qui pas connaît que mercenaires étaient là. Et même pays voisin République Dominicaine qui a pris pour aujourd'hui là, qui érige, qui monte tête comme défenseur Haïti, qui a prôné la paix en Haïti, etc. Depuis après la mort de Jovenel Moïse, ils considèrent Haïti non impasse sordide, nous non situation côté que nous pas qu'à retourner derrière. Ils complices. Louis Abinader complice. Comment on prend dit dominicain et on prend dit colombien pour la plupart, yo rentré par Saint-Domingue, yo vini Haïti. L'autre palace qui sauvé, qui gèta retrouver le Jamaïcain, qui côté le passé? Qui côté le passé? Le pas passé dans l'aéroport ou Saint-Louverture. Li passé directement en République Dominicaine pour la Jamaïque. Alors que nous connaît immigration la caï nous tof sous li. Service immigration la caillou, service de renseignement la caillou, li travail, li fonctionnel. Ou pral di on pat konn palasos te rentré en République Dominicaine. Ou pral di on pat konn palasos te passé Saint-Domingue pour la Jamaïque, sinon que c'est caché n'a caché vérité. Sinon que nous complices de ça passé. Ou pral pasteur Emmanuel Sanon qui rentré avec spécialiste CTU.
li sont avec aux États-Unis, yo l'on prend directeur responsable BDG CTUA. Yo bal l'argent, yo financer ça non sous prétexte que li pral ba un coup d'état. Yo financer ça non sous prétexte que coup d'état ça c'est pour le prendre pouvoir, pour rétablir la démocratie, pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Alors que qui ça non bral vin fait, la vin assassiner président Jovenel Moïse, yo bal l'argent pour l'orchestrer assassinat en président élu démocratiquement pour le vin prendre pouvoir par la force. Et puis on attendait directeur PDG CTU li en liberté. Ou attend des nègres qui payent, qui financent un crime transnational en dedans pays yon, sous président pays yon, li à l'aise aux États-Unis. FBI pas dit why. Tout service de renseignement américain, ou agence de renseignement yon pas dit why. Et puis nous même en Haïti n'a fait corvée. N'a fait corvée, n'a pris les Américains par ci par là pour nous aider. Pour nous aider, nous qui ça? Venez aider nous qui ça? Nous pas priorité, il faut que nous comprenions ça. À un certain moment de la journée, il faut que nous disions c'est assez, il faut que nous disions nous quittons Bassès, nous quittons Soussou, nous prenons pays nous en considération, en tant qu'Haïtien, nous bataille pour nous défendre Haïti. Ce n'est pas seulement considérer Jovenel Moïse comme un héros, comme un monde qui a bataillé contre un système, et puis le système n'a fini pas boire, le système n'a fini, et le groupe nèg dans le système n'a fini, il a orchestré un complot contre lui-même, il a assassiné, etc. Non! Jovenel Moïse n'est plus, Jovenel Moïse pas là encore. Maintenant, soit bataille pour Jovenel Moïse, au moins pour Kembe, mais souvenir Jovenel Moïse, comme un martyr, comme un monde qui a assassiné parce que le tape mené en lutte, etc. Meilleure réflexion, c'est bataille pour Haïti, c'est bataille pour retirer Haïti dans sa vie là. Nous tous conscients que nèg tué Jovenel, je dis à nous en pouvoir. Et puis nous croisons les bras, nous n'ap gardé. Nous conscients que nèg qui a orchestré l'assassinat Jovenel Moïse, yo fait partie du secteur privé des affaires, et par exemple. Nous gagnons, nous identifions quelqu'un. Nous tous nous croisons les bras, nous n'ap gardé. Mais c'est grave. Vérité, en fait, nous admettons. Je dis à Haïtiens vivent dans menti à tête li. Nous sommes peuple qui vivent dans menti. Nous remet menti, nous à l'aise dans menti, nous remet le monde ba nous menti. Et moi-même m'a besoin très sincèrement. Objectif on m'ba vinn ba nous menti. Objectif on pas vinn et vinn fabriquer en vérité vinn ba nous vinn dire nous vérité en Jean Lier, vinn présenter nos réalités politiques en Jean Lier. Si ou même ou pas choisi accepter ou pas choisi bataille pour changer soit gain là comme pays, c'est sûr que nèg nous les bandits cap théoriser nous yon beaucoup bandits pral gen bandi parce que nan ligne nous pral aller là avec pays ya. Parce que nous tellement acceptons pas qu'être bêtisé comme autorité, nous tellement accepter que non même relation diplomatique nous gen avec l'autre pays yo ba nous n'importe bêtise, yo ba nous n'importe malpropreté en retour par rapport avec ça nous même n'a profri. C'est sûr que nous pas bataille pour une bonne nouvelle Haïti. Nous pouvons commencer bataille pour une bonne nouvelle Haïti. Bataille pour une nouvelle Haïti, c'est l'homme où nous prend assassinat Jovenel Moïse. Tout bon nous prend à cœur. Nous disons son président était tué, c'est pas ton simple citoyen. Son président est rentré la calier en assassiné. Faut qu'on réponse qui baille. Faut nous identifier mon yo, faut qu'on réponse qui baille. Là ça m'a pour nous voulez faire pays, nous voulez bataille pour pays. Comme toujours aimé dire, émission mon éditorial, c'est pas seulement information et formation. M'gen mission pour toujours chercher pour te bay public là tout ça qui bon. Et bien je dis là m'a présenté les produits Rosa. Rosa c'est une entreprise locale 100% haïtien qui a évolué nan mette sous marché à bon gens produits de qualité. Ou joine spaghetti nan produit Rosa. Ou ap jwenn du riz jaune nan produit Rosa, ou ap jwenn macaroni nan produit Rosa, ou ap jwenn savon lessive nan produit Rosa. Depi tande parler de Rosa, ou gen tan wè produit de qualité, ou gen tan wè bon prix, ou gen tan wè bon produit. Et bien si m choisi vinn présente au produit, m vinn choisi parle de li, c'est parce que li bon. Pendant n'ap kore production locale la, avec Rosa, n'a tout profité pour ses dos. Oligarque pour ses dos, nèg sa yo qui a accaparé yo et marché économique là depuis bien longtemps, c'est celle yo même qui a fait business, c'est celle yo même qui est entrepreneur. Et bien avec produit Rosa, nous vinn bay en riposte. Donc ou même qui à l'étranger qui intéressé pour bay un ami, un famille, un business en Haïti,
Ou ka kontakte entreprise Ozan nan 28 13 01 40, ou bien ka toujou rele nan 36 99 94 02. Ou ap jwenn du ri, ou ap jwenn spaghetti, ou ap jwenn macaroni, ou ap jwenn savon lessive. Donc là, ou gen 4 ingrédients on moun ka vann, ka commence son business avec, donc pas hésiter. Moi-même faire confiance, manger du ri, me tester du ri. Li pa bwè de l'eau, li pa bwè l'huile. Donc bon bagay. Donc ou gen intérêt pour contacter, ou gen intérêt pour tester produit yo, et très bientôt là m'bral commencer vin avec produit Oza yo. M'bral vin pote cadeau pou, m'bral vin fò tester yo, m'bral vin fò goûter yo, tout pas inquiéter nous. Donc là, pas hésiter contacter entreprise Oza et pour plus d'informations. Et yo, bon bagay ki rive, bon incident ki rive. Incident grave. Le m'a parlé de ti l'appli Izo et Chris là qui prend Martissa en otage. Son réalité parce que groupe A li fait conférence de presse, li dou papa c'est Martissa. Groupe B a en réplique, li fait conférence de presse, li dou papa c'est Martissa. Groupe C a li fait conférence de presse, li dou papa c'est Martissa. Ou gen 3 groupes gang qui n'ont même limitrophes, qui n'ont même zone géographique, il y a bataille entre eux, il y a fait guerre entre eux, guerre de territoire entre eux, et puis qui est-ce qui a payé pour casser? Citoyens, civils innocents. Yo ont tout doux, papa, c'est Matissan. Ils ont tout doux, rete la caille. Ce n'est pas seulement la police, ils ont défié. Ils ont défié comme citoyens haïtiens. Ils ont défié, je dis, comme moun qui rete Kafou, comme moun qui rete Fontamara. Imaginez depuis 1er juin 2021, on pa ket moun kite la kayo Fontamara, on pa ket moun kite la kayo Kafou, on pa ket moun kite la kayo nan Matisan, pour qu'ils a peut-être bandi, peut-être gang ka fè affrontement. Et en retour qui a cœur autorité l'état ba yo, yo pran yo lage yo nan se sportif lan, tant qu'on pa ket sans famille, sans accompagnement, sans assistance. Mais ça que l'état paye. Ça pire jodi an la. Ça pide du jodi an, c'est l'op gade, l'op sous commissariat Martissan, qui ça représente dans commune nan? Li représente en force, li représente en autorité. C'est une force policière. Son symbole lié. Premièrement, bandi fait attaque sous commissariat, yo déloge policier, yo assassine policier, yo mette du feu. Commissariat fermé. Jodi an par fréquencité, l'op gade nèg yo, nèg yo en joie, nèg yo content, yo pénétré en sein sous commissariat, yo mette du feu, yo vandalisé et puis yo fier. Y a fait moi toujours dis ça. Question réseau social en Haïti, question Facebook, TikTok, ça haïtien pas préparé pour bagage ça. Avec gang ça k'ap déployer dedans pays, on pas préparé. Oh mon Dieu, son mal. Et monsieur franchement, monsieur, si nous pas de réseau social jodi an pour permettre à ce que bandi ça yo, vagabond ça yo, yo a imposé yo pour permettre à ce que monsieur ça yo a montré puissance de feu, y a montré ça yo gagner comme ressource humaine, comme ressource matérielle. C'est sûr que nous pas prendre au sérieux parce que moi m'a regardé comment haïtien prend bandi au sérieux, comment haïtien fait a bailler bandi au champ, a fait éloge pour gang. Moi me demande est-ce que nation ça, est-ce que tête nous doit. On a cap théorisé ou qu'a violé ou qu'a kidnappé ou qu'a fait coucher maman, qu'a fait petite sœur coucher frère, maman coucher petite, petite coucher maman, etc. Et puis c'est moun sa yo ou jeune groupe moun dans société a qu'a bat bravo pour yo, un groupe moun dans société a qu'a fait éloge yo, un groupe moun dans société a qui a prélé au patron, qui a prélé au mon chef, qui a prélé au mon CM, mon prêtre, etc. Est-ce que c'est pas possible? Li pa possible. Ou pral di m kounye a, c'est parce que m pa nan situation pou yo théorise m. Yo théorise m. Yo tellement théorise m. Chaque moun mwen gen dans la rue, m tellement inquiet avant yo rentre, et bagay tèt chaje. Yo tellement théorise m, franchement, moi m'a demandé juste bon, juste qui le haïtien a conscient que le bon pays pour le sauver, le bon pays pour le protéger. Pour nous conscient de réalité dans la vie aujourd'hui. Pour nous suspendre, bat bravo pour gang. M'a regardé en vidéo côté que et après libération Galveston
dans mes groupes gang quand ça m'a rejoint et puis Galvez a fait un live pour mettre le public là confiant que il retourne etc. Psychologiquement ou gétant Galvez c'est pas un monde qui en forme, li pa la, c'est col qui la mais l'esprit li pa la. Par contre si son pression monsieur au Bali, par contre ça monsieur au Feli, mais pour quand tu te parole au chant éloge Galvez ça fait pour 400 maros mes amis bon Dieu. Me senti me ta met deux mains dans mon relan moi. Autant de Galvez Abdou, l'amour sans jour son bon monde. L'amour sans jour pas batli. L'amour sans jour et balti gâteau. L'amour sans jour et gon l'armée près de 10 000 nèg comme ça et si autorité ou ta vle ou te ka prendre l'amour sans jour pour yo faire l'armée indigène ça lié la même non c'est pas sérieux pour ta faire l'armée indigène avec 400 marozo avec groupe gang 400 marozo son groupe gang qui pas faire moun mal qui pas tuer moun bon on ka comprendre c'est ça aurait le syndrome de Stockholm côté que et victime nan li dégager en relation avec et ravisseur avec monde qui a traumatisé là etc. Donc c'est exactement ça Galvez t'a fait. M'pa condamner. Ouais m'pa condamner, m'pa blâmer, m'pa juger parce que m'senti ça le vivre, m'senti traumatisme ni gain yo. Et c'est sûr, ouais chaque monde qui victime d'un kidnapping, yo t'a supposé aller en psychologue parce que non moun yo pas normal. Moun yo pa droit même parole nan bouche moun yo et pa bagay ki cohérent même ay ki cohérent donc problème yo en pile dans la république mais question gang kap terroriser moun question matissan ça si PNH pa freinel si yo pa cherche une solution avec non yo met fermé Port-au-Prince la république de Port-au-Prince met fermé. Parce que nous avons une situation, ouais, hier dans l'émission, hier, nous avons soulevé une problématique qui est en dedans la police. Côté que les policiers n'ont pas un uniforme, mais un uniforme qui vend dans la machine noire. Ou avez gardé des gangs, vous avez gardé des bandits avec uniforme la police sur yo. Vous avez dit que c'est dans ce commissariat, c'est dans le commissariat, vous rentrez des armes de policiers pour un uniforme, etc. C'est vrai que les policiers qui ont quitté l'uniforme dans le commissariat, dans ce commissariat, ils ont fait un travail, ils ont changé. Mais est-ce que le cas pour 20, pour 30, pour 40, pour 50? Non! Gon moun nan état-major la police ka founi yon uniforme. Extrêmement important. Oui. Gen moun nan ministère de l'intérieur ka founi yon uniforme. Parce que l'on prend PNH, li beaucoup plus rapproché de ministère intérieur avec de ministère de la justice. Vous comprenez? Trois bagay sa yo, trois institutions sa yo, yon sensé marcher connexe, yon connecté, yon interconnecté. Donc, si vous avez passé dans la police, il faut le ministère de la justice au courant, il faut le ministère de l'intérieur au courant. Donc, si vous avez un uniforme qui est distribué par les gangs dans la rue, vous avez des armes qui sont en deux dans le PNH qui est distribué par les gangs dans la rue, l'institution est au courant. Et c'est ça qui fait l'autre des bandits qui ont dit pas occuper les PNH, tu as fait vrai. Parce que vous connaissez en termes de stratégie, en termes d'opération. En termes d'information, yo pas préparé parce que bandia avec un paquet nèg dans l'institution yo fait youn. Bandia paye pour yo bailler information, y a bailler bandi information, y a participé dans corruption. Mais c'est réalité pays là. C'est réalité pays. Donc moi même profiter annoncer nous ça. Pas ouais décembre rive là pour dire décembre c'est moi fête. Non là. Haïti décembre n'a pas fête. Pour 2021 décembre n'a pas fête. Veille côté ou mettre pio en Haïti. Ou même qui dans diaspora qui te gen intention pour dire rentrer en Haïti, vinn passer ti fête à famille, prépare pour faire call vidéo avec yo plutôt. Ça c'est conseil pas beau parce que moi même dans intérieur, moi veux les protéger, moi veux protéger vieux, moi veux protéger famille autour. Nous comprenons réalité hein. Bon tout dépend. Si c'est dans capitale Port-au-Prince n'a vini, et pas vini, pas mettre pied faire call vidéo, mais quelques villes de province si nous gen accès pour nous passer, si gen avion qui bon pour bon moi pour pour quelle ville de province, donc, si vous prenez l'Okaï, si vous prenez l'Okaï, vous rentrez Port-au-Prince, de Port-au-Prince, vous allez dans Tiaï, vous allez dans Tiaï, pour un avion direct pour aller au Kaï, pour aller à Jérémy, et pour aller à Cap-Haïtien, qui atterrit directement. Il y a quelque côté qui est paisible dans la ville de province. Mais si c'est dans la capitale de Port-au-Prince, la République de Port-au-Prince, la République des bandits, gang, je vous déconseille. Parce que ça qui passe à Théa là,
kidnapping matin midi soir. C'est terrible. Un jeune médecin qui a desservi en communauté, qu'on y a lié entre la vie et la mort parce que en tentative de kidnapping raté, il a ouvert balle sous nèg là. C'est grave. Et le pire de tout ça, pas grand médecin qui a traité Kalan en Haïti. Nous avons une situation côté que ou même qui a regardé vidéo à sous table et délit, essayer rentrer en contact avec et famille, il y a un numéro qui est disponible pour ça et surtout dans les Caraïbes, ou qu'a regardé comment qu'a aidé pour sauver la vie jeune garçon ça. C'est triste, c'est triste. Ou regarder un monde qui était toute ville sous lui, qui était plein rêve, qui était plein vision, qui était plein projet et puis en quelques secondes tentative de kidnapping et puis mes côtés ont été paralysé, il paralysé de la tête aux pieds. Il couché, il intubé, il n'a oxygène entre la vie et la mort. C'est réalité pays non. Donc c'est triste, je dis en son émission qui est extrêmement triste, parler de assassinat président Jovenel Moïse côté que 5 mois après pas gain avancé considérable qui fait 5 mois après et pas vraiment et gain pas grand pas qui fait instruction dossier a toujours ralenti. Genèg qui dans secteur privé des affaires là qui a bloqué dossier, nèg qui sous scène politique là qui a bloqué dossier sans compter de pouvoir gang Ariel Henry qui a bloqué dossier à Pirède. Ariel Henry lui-même li à l'abri de tout interrogatoire. Ariel Henry li à l'abri de toute audition. Donc nèg la protégé. Jean-Noël Ariel Henry là dans statut de président, dans costume de président et de premier ministre à la fois. Les consultants font le consultant réglé. Donc nous mêmes haïtiens, on prépare nous pour bataille là, on prépare nous pour révolution. Haïti besoin réelle révolution, c'est pas révolution et gang, son révolution côté que chaque grain haïtien conscient de problème non. Chaque grain haïtien, il y a pas de mettre grand problème ensemble, n'a chercher solution yo. Moment arrivé pour mettre un bout dans l'émission mon éditorial pour aujourd'hui hein. Principe n'a pas changé. Continuez à regarder vidéo, à partager vidéo avec vos amis, deux amis, dix amis, partager vidéo dans un groupe, dans 10 groupes, dans 15 groupes sur Facebook, sur WhatsApp et surtout. Ou même quand regarder vidéo qui pourquoi abonner à la chaîne là, pas hésiter à faire ça. Et surtout songez à activer la cloche notification pour plus de vidéos. Toute information qu'a gagné pour poster, toute vidéo qu'a gagné pour poster, ou ap jwenn yo, ap ka vin participe anvè nou, ap ka vin komante, ap ka vin pale peyi, vin pale politik. Rendez-vous on li kase pou demè sou menm chèn nan, nan menm rayon, dè mi koprezantasyon, si toujou menm Yannick lan, menm vwa, an yè pa chanje. Mersi tout moun, a trè byetou. Mè zami, tande sa, ou se ayisyen, ou remè peyi ou, epi an aji. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures que chez Chanel Paula pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral le débat, c'est toujours même Yannick l'en même voix. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.